Bonjour. Alors, je dis bonjour pour dire à la fois bonjour et bonsoir parce qu'il y a des amis qui nous écoutent depuis le Québec, d'autres sont en Europe, d'autres sont en Afrique et d'autres sont en Asie. Donc, bonjour. Bienvenue dans l'émission Dada et ses potes. C'est mon second hangout. Donc, m'en voulez pas, ça a démarré un peu timide la dernière fois. Donc, aujourd'hui, c'est Dada et ses potes vous parlent musique, verbe, onde, fréquence et vibration. Alors, c'est presque un euphémisme ce titre parce que ça regroupe pas mal de choses. Donc on va parler de tout ça. Et les influences que peuvent avoir donc la musique, le verbe, les vibrations, etc., sur le comportement, sur l'organisme, sur le cerveau, sur la pensée. Donc voilà, nous aurons des musiciens avec nous, nous aurons un maître Reiki. Voilà, parce que tout va de pair. On parlera donc des vibrations de la musique, on parlera des bonnes et des mauvaises vibrations. On parlera aussi de l'influence des vibrations et des ondes sur l'eau, par exemple, parce que ça change les molécules de l'eau selon les ondes et selon les vibrations, selon sur quelle fréquence c'est émis. On parlera aussi de la manipulation de masse avec les vibrations, etc. quoi. Donc, même la communication téléphonique, c'est des vibrations, les couleurs sont des vibrations, la lumière, c'est des vibrations, les images, c'est des vibrations. Donc, tout est vibration, tout est onde. Et voilà quoi. Les vibrations voyagent par les ondes à certaines fréquences. Et selon la fréquence utilisée, ça n'a pas le même impact. Donc voilà, Salut les si amis, quelqu'un salut tout le a monde. quelque chose à dire, bonjour à tout le monde. Salut mon pote. Salut, salut, Salut. désolé, j'ai eu un petit problème d'internet. C'est bon, je viens de régler. Salut Azar. Salut, salut, salut Yazid. Salut, moi ça a été le cas de mon retard parce que j'ai un ordinateur. C'est mon ordinateur, c'est un Rastaman antillais, hein, tu vois ce que je veux dire. Donc, voilà, ouais, c'est moi qui ne présente pas le journal télévisé parce que sinon le journal de 20h, il commencerait à 20h45. Ça décalerait tous les programmes. Non, voilà, j'ai un ordi qui est super long, donc ça m'a pris du temps à démarrer ce Hangout. Donc voilà, pour commencer à parler de musique, je propose qu'on attende que les musiciens débarquent. Et sinon, voilà, je vais donc commencer par le verbe. Alors le verbe, ça influence beaucoup, ça a beaucoup d'influence, le verbe. Parce que je ne sais pas si vous avez vu comment ça s'appelle, le message de l'eau. Qui a vu ce reportage, le message de l'eau? Oui, je l'ai vu, oui. Très Oui, vous intéressant. voyez comment selon la fréquence à laquelle sont envoyées certaines vibrations, que ce soit de la musique, des mots, Selon les intentions aussi. voilà, des lettres même, parce que lorsque tu écris une phrase, c'est comme si tu as plusieurs vibrations, on va dire, dans une même phrase écrite, parce que tu as les vibrations déjà qui ont la forme des caractères, tu as les vibrations de la couleur des caractères également, et aussi selon sur quel support c'est mis. Tu vois, donc ça peut vibrer à plusieurs niveaux. Par contre, ce que je ne sais pas, c'est est-ce qu'une vibration peut être sur plusieurs fréquences en même temps? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Bon, en tout cas, voilà, donc les. Et comme tu disais, Adri, L'intention qu'on met. Oui, l'intention, voilà quoi. Bah, les mots ont une C'est pour portée, ça une que c'est beaucoup. signification et qu'est-ce que t'en penses, Dada?
Oui, et puis aussi, il y a comme des fois, tu peux trouver des mots cachés dans d'autres mots. Au niveau, si tu écoutes les syllabes, si tu écoutes au niveau strictement phonétique, ça peut changer des paroles. Tu vois? Tu vois, si tu dis oui, en ce moment, ça tend à changer. Mais tu peux dire que, en gros, tu peux dire que le malin a changé. Tu peux le comprendre de deux manières, cette phrase-là. Parce que Quand on ça dit peut être ça tend dans le verbe de cela est en train de tendre vers le changement, tout comme tu peux comprendre que Satan, le supposé prénom du malin, parce que Satan, étymologiquement parlant, ça veut dire accusateur. Donc Satan au niveau du prénom du malin a changé comme s'il l'avait changé. il y a aussi la mort, l'âme hors. Oui, exactement. Normalement, c'est la mort du corps. On dit que c'est la mort du corps et c'est l'âme hors du corps. Ah, Ouais, exactement. l'âme hors, oui, hors dans le verbe être hors. C'est pour ça qu'il y a tout un langage Être qui en s'est dehors. élaboré dans le milieu rasta, et notamment en anglais jamaïcain. Par exemple, les gens ne disent pas dedicate pour dire dédicacé, parce que dead veut dire mort, donc ils disent livicate. Ouais. C'est plein de petits trucs comme ça, quoi. Ils disent pas I go back, mais non, ils disent pas I come back, but I come forward. C'est-à-dire, Moi, c'est je... pas je reviens, parce qu'ils reviennent pas dans le passé, c'est je viens dans le futur, quoi. Je viens en avant, en gros. y avait une phrase que j'avais bien aimée aussi, que tu avais dit, je crois, dans une de tes vidéos. Il y avait un pote qui t'avait dit, on s'attend au rond-point. Non, tu lui as dit, on s'attend au rond-point. Et il t'a dit, non, on se déjà au rond-point. Eh ben, c'est justement le maître Reiki qui sera là parmi nous tout à l'heure. Ah, bah Je voilà. ne sais pas si quelqu'un a des nouvelles de lui, si quelqu'un est sur Skype en même temps, s'il a réussi à se connecter ou pas, parce que je ne le vois pas ici parmi nous sur le direct. Non, je ne suis pas sur Skype, désolé. Mais juste, je voulais revenir sur le sujet du départ, là, sur le message de l'eau, enfin l'intention, tout ça. Il faut que tous ceux qui nous écoutent, là, qu'ils aillent voir les travaux du docteur Emoto. Comment c'est son prénom, je ne sais plus. C'est Emoto, c'est la mémoire de l'eau. Voilà. Oui, il y La a un mémoire de l'eau. reportage qui est facilement trouvable sur Facebook. Je Je mets regarde le une lien vidéo dans sur le chat. Dailymotion. Il suffit de taper dans le moteur de recherche de ces différents sites le message de Alors, l'eau et vous tomberez dessus direct. Je vais regarder dans le chat. Oui, c'est Water, le pouvoir secret de l'eau. Qu'il faut. voilà, et l'expérience du Oui. riz aussi, sur le riz. Oui, mais Ah il y a oui, tout. ça c'est Il y a effarant, tout. ça. C'est Voilà, le langage certainement pour ça que rasta, les anciens l'expérience bénissaient leur du riz. repas, parce que c'était des vibrations positives. Le langage rasta, il faut que ce soit, voilà, c'est la lumière, C'est ça, pas de c'est que du noirceur. positif. C'est le langage rasta, c'est que du positif, quoi. Le vrai langage rasta, c'est changer, tourner le vocabulaire à l'avantage du positif. Tu vois, par exemple, personnellement, moi, c'est pas, à la base, c'est pas de moi, quoi. C'est une fois un ami Rasta qui avait mis ça sur Facebook et je lui ai demandé ce que ça voulait dire. Et depuis, je l'utilise et j'ai été le vecteur de ce mot-là sur Facebook et ailleurs dans tout mon entourage. Et des gens l'utilisent et le propagent. C'est VDR qui veut dire vivant de rire. Plutôt que de dire mort d'écrire MDR, mort de rire. Je dis VDR parce que le rire ne tue pas, il vivifie. Exactement. Et même un groupe, ah non, ce groupe-là, cette musique, elle tue, non, elle vivifie. Les groupes sont vivifiants, les groupes de musique sont vivifiants. Il faut être vivifié. Ouais, ça peut être un groupe de rock satanique ou de rap satanique qui va te. Qui, que, ça, ouais, c'est un groupe qui tue. Tu vois? Voilà. Parce que parfois, tu ne sais pas qui tu es. Mais est-ce que tu sais qui faire vivre? Tu vois, encore un mot qui peut être amalgamé Donc, quelque dans part, mon dada, esclave. c'était punchline, rasta, en fait.
Ouais, on peut dire ça, mais punch, c'est quoi? C'est au coup de poing. Tu vois? C'est une droite, c'est un direct, Voilà. quoi. C'est un direct Exactement. dans ta gueule. Donc, c'est pas, tu vois? Donc, moi, j'appellerais pas ça punchline, mais une citation. Voilà. Tu vois? Plutôt une citation. Superbe. Que voilà, le vocabulaire, c'est très important, parce qu'on est influencé beaucoup par le vocabulaire. Aussi, tu vois, les gamins, maintenant, tu les entends, ils parlent n'importe comment. Parce qu'en fait, punchline, on pourrait le traduire par phrase percutante, en fait. C'est ça, hein? Oui, mais là, il y a encore un affrontement. Eh oui, parce que Il y a ça encore une percute. friction, un affrontement, c'est encore dans le négatif. Tu vois, ça percute. Ouais. En fait, la punchline, je la vois dans le sens, dans le hip-hop, je vois la punchline dans le sens dire quelque chose, mais pas facilement. Le dire Oui, pour mais faire parole réfléchir pénétrante, l'auditeur, je quoi. pourrais dire, si je puis dire, parole pénétrante, parce que ça pénètre ton esprit et là, tu es dans l'énergie positive. Est-ce que tu vois ce que je veux dire par là? Voilà, mais bon, de toute façon, les punchlines, bon, ça s'adresse pour une catégorie de rap, mais pas pour la catégorie du rap engagé, quoi. Rap engagé, il n'en a rien à faire des punchlines, il a son Mais message. oui, parce que c'est méchant les punchlines, on va dire. C'est méchant. Dans le vocabulaire, c'est agressif, c'est méchant. Et comme a dit Adrien dans le chat du Hangout, et non pas dans le chat du live sur YouTube, il dit au commencement était le verbe. Oui, c'est comme ça que commence le Nouveau Testament. Au commencement était le verbe dans la Bible. Mais non pas C'est la là que création. Dans la Genèse, ça commence pas par là. tout commence.